Une injustice est souvent faite à saint Joseph de le considérer comme un pieux ajout à la sainte famille, une addition de la dévotion pour façonner une émouvante image d'Épinal. Est-ce qu'on a vraiment besoin de saint Joseph se demande-t-on. Nous avons un tableau complet avec d'un côté Marie, la nouvelle Ève, de l'autre Jésus, le nouvel Adam. Ce diptyque n'est-il pas suffisant est-ce que le sommet de la révélation n'est-il pas au Golgotha Pourquoi s'attarder sur la petite enfance, sur Jésus-enfant, sur ces temps de l'affection et de la paix familiale Alors que les choses sérieuses se jouent ailleurs, se jouent plus tard. Raisonner ainsi et faire en réalité injustice à Jésus lui-même, qui n'est pas sorti du désert comme Jean-Baptiste ou comme il aurait pu le faire parce qu'il est Dieu, mais qui est sorti de la maison de Joseph et de Marie, qui est le fruit du mariage virginal de Marie et de Joseph, le Verbe de Dieu qui, en s'incarnant, a choisi d'avoir Marie pour mère et Joseph pour père. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. On aime bien dire que de toute l'histoire de l'Église, Saint Joseph est de loin le plus grand saint après la Vierge Marie, c'est entendu. Est-ce qu'on mesure ce que cela implique Saint Joseph n'était pas là au début de l'Église apostolique. Il n'a jamais lu les épîtres de Saint Paul par exemple, il n'était pas présent au jour de la Pentecôte, il n'est pas témoin de la résurrection, il n'a pas suivi Jésus pendant la passion, il ne l'a même pas entendu sur les routes de Galilée lorsqu'il prêchait, lorsqu'il guérissait, il n'a assisté à aucune guérison il n'a entendu aucune parabole. On ne sait même pas si Saint Joseph a connu Jésus adulte. Et justement, interrogeons-nous, qu'a vu l'homme le plus proche du cœur du Christ Jésus-enfant. Il faut méditer cela, et pas seulement quand on s'agenouille devant la crèche. Ça veut dire que dans Jésus-enfant, tout est donné. Dans ses yeux, on voit déjà la gloire du Tabor et la douleur du Golgotha. Dans le sourire de cet innocent, sont révélées la douceur de la miséricorde et la joie de la résurrection. Dans le regard trop bleu de ce nourrisson, se dévoilent les horizons du royaume et la tendresse de Dieu pour les pécheurs dans la mangeoire de Bethléem, dans la maisonnée de Nazareth, la vie elle-même nous tend les bras en riant. Et quand on entend, comme un, un refrain dans les évangiles, la lenteur des apôtres à croire, la lourdeur de leur cœur qui les empêche de bien connaître Jésus, on ne peut que se tourner vers Saint Joseph et lui dire, mais vous qui avez tout vu, montrez-nous. Or, qu'a-t-il vu Il a vu Jésus enfant, c'est-à-dire Jésus dépendant, c'est-à-dire Jésus entre ses parents, l'enfant au milieu, l'enfant que Jésus lui-même place au milieu dans l'évangile, c'est l'exemple qu'il donne, c'est lui-même qui se donne en exemple. Jésus se révèle entre Marie et Joseph, au milieu du cercle familial, et c'est dans ce cercle-là qu'il nous embrasse tous. Quand Jésus adulte place l'enfant au milieu des apôtres, il l'embrasse. C'est l'affection, évidemment, mais c'est l'ouverture de sa maison à tous les enfants. Dans cette famille, il nous embrasse. Dans ce cercle de ses intimes, il nous place. La sainte famille de Jésus, Marie et Joseph n'est pas donnée en pâture à notre sensibilité, elle est nourriture pour notre spiritualité. C'est dans son unité, c'est dans sa charité que nous sommes invités à nous laisser embraser par l'Esprit-Saint. Frères et sœurs, recueillons-nous un instant. Saint Joseph, faites-nous entrer dans votre maison. Donnez-nous la joie d'être comptés parmi vos enfants. Confiez-nous à la maternité de la Sainte Vierge. Montrez-nous l'enfant qui est au milieu. C'est lui notre modèle. C'est lui notre maître, c'est lui notre avenir. Saint Joseph, nous vous confions aussi tous les enfants qui ne sont pas au centre de l'amour de leurs parents, tous les enfants qui sont exclus du cercle familial, qu'ils soient instrumentalisés ou qu'ils soient idolâtrés. Nous vous confions toutes les familles dont le cercle s'estompe, qui perdent leur identité. Tous les foyers où la braise de la charité est peu à peu étouffée par le quotidien et ses soucis, placer l'enfant Jésus au cœur de chacune de ces familles. Que le sourire de l'innocent réveille en eux la joie d'être ensemble, de grandir ensemble, de se recevoir ensemble de Dieu qui est Père.